Tu vas voir si c'est pas top chef. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler couteau, pas cuisine, couteau. Hein, c'est différent. On va. Moi j'avais un couteau en céramique pour manger tous les midis. Et toi, il a un petit truc qui manque. Donc c'est plus difficile pour couper comme ça. Pour couper le pain, ça va pas mal. Les couteaux en céramique, je kiffais parce que ça coupe bien. Mais l'autre jour j'étais avec mon saucisson comme ça, là, crac. Et ça m'a enlevé le trou. Donc j'ai décidé d'acheter des couteaux en ferraille. Ceux-là, c'est. Je sais rien. Oh putain. Ah ouais, Bob, dis donc, juste la petite bataille, il a pris. Il était tout neuf, hein. Juste la petite bataille, et ben, il a pris des machins. Ouais, c'est pas grave. On va voir, faudra que je le rafute de toute façon. Moi, ce qui me plaît dans les couteaux, c'est quand ils sont un peu grands pour étaler le beurre, couper le saucisson, ça va bien. Donc, lui, il est à peine trop grand pour manger, tu vois. C'est quand tu tournes comme ça, là, les gens à côté, après. Donc, je vais le recouper. Puis, il va falloir que je le rafute, du coup, un peu tout le long. Dis donc. Bon, ça fait du mal aux deux. Il y a des bons rebords, mais par contre, l'autre est bien cassé. Donc, la solidité doit être la même. Après, on affûtera tout ça. Pour ça, je vais attaquer comme ça. On va faire un trait de marqueur, un truc tout simple, juste pour voir ce que ça donne. Là. Après, du coup, je vais lui passer un coup de chalumeau. Je pense à la fin, on verra. Ça, à la poubelle, parce que ça vaut rien. Savoir, là, il y a ce couteau céramique, là, ça coupe bien. Mais par contre, il y a moyen de se faire mal. Quand tu casses la lame, moi, c'est souvent un peu débourrin. Donc, voilà, on va le refaire à la bonne taille. C'est mieux, hein? C'est à peu près ça. J'aime pas bien le bout pointu comme ça. Re à la poubelle. Donc ça, je vais y garder. Ça passera sûrement dans la sculpture. Parce qu'on va pouvoir s'y remettre. On va pouvoir se remettre à la sculpture. On va passer à l'affûtage. Pour dégrossir, on va utiliser celui-là. Alors après, on a celui-là qui a une meule à roue. On verra ça par la suite. Je vais refaire un peu les angles. On va partir de là. Là, c'est pas trop mal, c'est un début, hein. Il ressemble bien à l'autre. Je vais aller chercher de l'eau parce que la main là-haut, on la laisse tourner à sec, mais c'est pas bien. Si on veut affûter, là, on va passer un petit coup de l'huile déjà. Bon, pour faire l'effet pareil, là, ça va être chaud, je pense que je vais faire avec ça. Voilà. Alors normalement, pour affûter, c'est pas comme ça, c'est comme ça, je crois. Mais il faut savoir, je suis pas un vrai affûteur. On va voir, on va mettre de l'eau. Est-ce qu'on y voit bien? Oui. Allez, on va y jeter de l'eau dans cette barrique. La pierre, je crois qu'elle pompe un peu l'eau. Donc je vais en mettre suffisamment. Là, elle vient bien dedans. Allez. Je suis habitué au bouquet de fuite de bière. Ouais, encore un peu de travail, mais c'est bon, c'est vrai. On va essayer ça. Je vais mettre un peu dans le temps, peut-être. Trop bien. Ah, je suis trop là. Alors là c'est exactement parfait comme avant. Ça rappe juste un peu sur les bords.
encore, t'as fait. Bah, elle a fini en fusil, je pense. Qu'est-ce qu'on va couper? Parce que, en fait, ils doivent trancher grâce à la finesse. Parce que le couteau est plus fin, est beaucoup plus fin du coup là que là. Et vu que moi, il est. Il va falloir que je retravaille. Et ben alors? Qu'est-ce que tu fais, t'as de merde? Ouh, c'est chaud! Allez, t'en fais d'un coup. Donc déjà c'est pas mal. On va voir après si ça tranche. Je vais aller chercher le fusil pour l'affûter. Allez, Tam, il est écrit nécessaire. Et puis il faut pas se chauffer. Et après la finition. On n'est pas encore au chalumeau, je vais aller le faire. Mais avant je veux voir si ça coupe. C'est comme ça, non? C'est pas souvent que j'en affûte. Ouais, c'est comme ça. Ah oui, il faut savoir, le couteau comme ça, sur Amazon, j'ai regardé, j'avais un kit, enfin un couteau, si t'en veux un joli, c'est 35 euros. Là, j'ai acheté un kit où il y a le couteau, il y a lui, il y en a un autre encore plus long. Il y en a, je crois, il y a 12 couteaux pour 40 euros. Je sais pas comment ils font des fois pour se débrouiller. C'est un truc de ouf. Comment tu peux vendre un couteau à 35 euros et 12 couteaux à 40 euros? Je sais pas. Ouais, ça nous fera des couteaux d'avance, les autres, voilà. C'est que je suis chiant. Tu comprends? Mon couteau, je l'aime bien. Puis on le garde tous les jours, on le nettoie comme ça. Et toi, dégage! Je sais pourquoi il est là, tu vois. La dernière fois, l'une l'a fait aussi. On l'avait laissé sur le coin. Arrête de rôder, allez, va sur la terrasse. Non, arrête de rôder, ça m'énerve, ça. C'est toi qu'on va couper la saucisse, hein. On va faire cuire le kebab, hein. Ouais, bon, ça suffit. Un petit coup de nettoyage, tu vois. Est-ce que c'est coupe? Est-ce qu'il rôde? C'est comme ça que j'ai fait pour casser mon couteau. Oh. C'est pas trop mal. C'est vachement bon. On aura peut-être un petit bout. Mais bon. Oui, il en donne pas parce qu'il m'en a mangé. Il m'a mangé tout mon saucisson d'anniversaire. C'était l'année dernière déjà. Vous allez voir que des fois en auvergne, le saucisson il est vraiment très très dur. Là je vais manger de la limaille. Ah, je pense que c'est bien. Je vais le remettre dans le frigo. Et après on va passer au chalumeau. Merde, c'est dans le temps. On va voir ce que ça peut donner. C'est un nouveau format de vidéo quand même. Hein. Bon, mais là. Impeccable. Place au chalumeau. Pour la partie chalumeau, parce que j'aime bien les couteaux quand c'est beau. Donc là, vu qu'il est tout en fer, c'est déjà pas mal. J'aimerais bien qu'il soit avec des petites couleurs, comme on voit dans le commerce. Là. Où chalumeau?
pas oublier d'ouvrir les bouteilles. Ça, j'espère que ça va pas déformer la larme. Si je me rate, on verra. J'en ferai un autre. Merde, c'est pas lui. On a dû le brancher à l'envers. Non, si, c'était bien. Là. Alors, grossis la buse, là, je te dis pas, tu peux faire. Tu peux faire ces trucs. Ah, raté. Et j'ai plus les lunettes. On me les a roulées. Elles sont là-bas. On va faire sans les lunettes, au pire, c'est pas grave. Putain, je vais pas y arriver ce matin. Putain, car j'étais carrossier en soudé que ça. On était des vénères. Faut être vénère pour souder avec ça en carrosserie. J'en ai pas fait beaucoup parce que j'étais pas assez bon. Ah, j'y étais pas loin. Ah, c'est juste. J'y vais être au max à chaque fois. Et... Allez, on va ça. Parce que la petite flamme dedans, en gros, on voit la flamme bleue. Et tu vois, le but c'est de la faire rétrécir. La faire rétrécir au maximum pour qu'elle soit toute petite, la bleue. Et là, là elle est pas mal, elle est bien. Fais gaffe la GoPro, tu vas voir toi. Oh putain, ça l'a fondu. Merde. Ce serait qu'un marque cette partie, j'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin. Et de l'autre côté? Hey, yeah! Ouais, bah écoute, ouais, bah qui? Ça va rester comme ça, c'est bien beau. Je vais essayer. Ça va pas l'abîmer, on va pas dépenser plus de gaz. En plus, la chaleur a l'air de se diffuser. C'est chaud. Allez, va dehors. Voilà, c'est assez cool. Il est un peu sale, donc voilà, mais les couleurs ça me va. Une fois bien nettoyé, je voulais voir si ça coupait. J'avais préparé les bouteilles. On va le faire à la chinoise. Oh bah ça coupe pas du tout. Oui. J'ai envie d'essayer comme ça. Tu vois? Ouais, c'est pas un katana, hein. Mais bon. Ah tiens, rien. Il a mis ça. Tiens, ça c'est des graines. Deux carottes qui sont au fond. On récupère tout. Et là, si ça coupe pas avec le... Putain, mais il est chaud. Ah, il est encore trop chaud, je vais aller le refroidir. Là, si ça coupe pareil, est-ce que l'autre jour j'avais coupé un angle de ça là, en faisant comme ça. Ouais, bon, ça va, ça coupe assez. Ça me coupera bien mon saucisson. Voilà, je vais nettoyer. Et bon, on n'aura pas réussi à couper les bouteilles. Ah, ça l'a eu là. Là j'aurais dû le refroidir comme ça. Alors ça laisse un vrai truc. Voilà, bon, c'est un peu de la zone. Là c'est pas mal. C'est un bon début. C'est style hein. Bon là ça se voit que ça l'a mangé. Je suis allé le rafiter un petit coup en même temps. Et alors j'ai vu. Les bouteilles, ça les avait trouvées, donc je sais pas si c'est peut-être les ninjas, ils vont trop vite. C'est quoi, non? C'est pas les ninjas. C'est qu'il doit avoir des lames de fou furieux. Que la dernière fois, j'avais fait un tuto maillot, mais je l'ai amélioré, elle est encore meilleure. Voilà, donc je vous montrerai ça si vous voulez. S'il y a des commentaires, on fera une petite vidéo. Allez, je dis amusez-vous là bien. Tout, tout, tout. Et à la prochaine. Je suis encore pas parti, en fait, j'ai pris la bouteille, je l'ai serré un peu. Donc voilà, elle, ça lui a fait un trou. Elle aussi. Mais c'est pas assez pour les découper. Allez, wouh! Bon, moi j'ai un Samsung Talk. Et il reste une bouteille. Qui défend sa race. Regarde, il a même une option. Vas-y, attends. On va aller se mettre un en place. Je sais pas. Agathe, il a stop sur mon sabre. Petit couteau caché. Déchire. Bon, je l'ai affûté. Ouais. Comme un fromager. Là? Je vais me la prendre par la tête.
C'est la caméra qui va stopper. Viens là. Je vais essayer de pas casser le pare-brise. Plus bas pour que ça la coupe. Enfin, je sais pas. Waouh. Ouais. Ça, c'est de l'aiguisage. On est des super affûteurs. Ouais, ça coupe mieux dans les films. Hein. Moi, j'avais pas un coup avec mon couteau quand même. Ah ouais. Bah, pas moi. Là, j'ai juste pris une grosse calotte. Mais ouais. Ouais, on va pas sur l'affûtage. Je me demande comment ils font pour couper les bouteilles d'eau. A mon avis, ils ont des lames super fines et. Ouais, c'est pas prévu pour taper cette chose. Là, il s'est un peu décalé. Ah. C'est un sable de démo. C'est la démonstration. Fait, et oui, bah, un vrai sable. Le vendeur m'a marqué. Un vrai sable comme ça, ouais. À mon avis, ouais. Forgé en Chine et tout, là, qui te sorte. Tu dois faire attention parce que ouais. Ça doit être tellement léger que. Puis si ça doit être très cher, je pense que je l'aurai pas. Ouais. Enfin, je l'aurai pas là. Voilà, allez, c'est reparti.